Eh bien, salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo, comme vous pouvez le voir, sur Red Dead Redemption 2. Je tenais vraiment à faire cette vidéo-là, ça faisait un petit moment que j'y pensais, à vous présenter tout ça sur ma chaîne. Donc n'hésitez pas à me dire si jamais ça vous plaît, ou si ça vous plaît pas trop, parce que ça fait déjà un petit moment quand même qu'il est sorti. Mais voilà, je voulais vraiment vous le présenter, ça me tenait à cœur, ça faisait un petit moment que je voulais le faire. Et là, j'ai su me connecter via ma PlayStation en ligne et tout, enfin soit. Donc voilà, mais tout de suite on est parti les amis. On va faire sûrement en plusieurs épisodes. Hein. Donc histoire. Bon ben là on va avoir pas mal de petits blabla. Juste pour info, je suis sur manette. Hein. Je suis pas en clavier souris. Je suppose que dans ce premier épisode, il y aura pas mal de conversations. On essaiera de suivre tous ensemble, les amis. En tout cas, j'espère que ça vous plaira. Que moi, j'adore vous présenter ce jeu-là en plus. Il paraîtrait que graphiquement, c'est juste monstrueux. J'avais pas encore eu l'occasion d'y jouer. Excusez-moi. Chargement de la partie. Ça ne devrait tarder. Je lis en même temps. Je vous laisse lire d'ailleurs de votre côté, les amis. Je vous laisse vraiment tout, hein, les amis, hein, l'histoire, vraiment pour dire qu'on puisse bien suivre. Désolé si c'était un peu long, je sais. Abigail says he's dying, Dutch. We'll have to stop someplace. Okay. Arthur's out looking. I sent him up ahead. If we don't stop soon, we'll all be dying. This weather, it's May. I'm just hoping the law got as lost as we did. There! Oh. Arthur! Any luck? I found a place where we can get some shelter. Let Davy rest while he... You know. An old mining town. Abandoned. It ain't far. Come on. Come on! Yeah! Magnifique.
surpris de la qualité quand même. Colter, chapitre 1. Doit se les geler. Miss Gaskell, get that fire lit quick. Miss Jones, bring in whatever blankets we have. Mr. Pearson, see what we've got in terms of food. Davy's dead. There was nothing more you could have done. What are we gonna do? We need supplies. Well, first of all, you're gonna stay here, and you are gonna get yourself warm. Now, I sent John and Mike scouting out ahead. Arthur and I, we're gonna ride out, see if we can find one of them. And this? Just for a short bit. And I don't see what other choice we have. Listen. Listen to me, all of you, for a moment. Now, we've had, well, a bad couple of days. I loved Davy, Jenny, Sean, Mac. They may be okay. We don't know. But we lost some folks. Now, if I could throw myself in the ground, in their stead, I'd do it, gladly. But we are gonna ride out, and we are gonna find some food. Everybody, we're safe now. There ain't nobody following us through a storm like this one. And by the time they get here, well, we're gonna be long gone. We've been through worse than this before. Mr. Pearson, Miss Grimshaw, I need you to turn this place into a camp. We may be here for a few days. Now, all of you, get yourselves warm. Stay strong. Stay with me. We ain't done yet. Come on, Arthur. All right. Got some work to do. We ain't run into them yet, so they both must have headed down the hill. Sure. Hey, I ain't had time to ask. What really went down back there on that boat? We missed you. That's what happened. Come on. Oh. Hey, you need horses? Oh, yeah. Hey, Mr. Smith, get yourself indoors. You need to rest that hand. I'll live. Get indoors, son. Allez, c'est parti, les amis. Maintenez X pour caler un peu de Dutch. Ok. All right, let's head out. Ain't sure what we're gonna find out here, Dutch. We have to try. Stay close. We'll do our best to stick to the trail. This goddamn weather. Been 2 days or more like this now. Oh, it has to blow over soon. C'est magnifique, hein. Careful over this bridge here. C'est trop trop bien fait. Ah, moi j'ai un très bon retour qualité. Voilà, dans la neige avec cette tempête. He's the last one, Arthur. No more. We need to get those people warm and fed. At least we don't need to worry about Pinkerton's tailing us in this. A couple more days, we'll be on the other side. You need to help me pick the others back up. You're the only one I can rely on to stay strong right now. We got fire and shelter. That's a start.
Parler à Dutch. Ah bon, on peut interagir carrément et choisir. Ah, c'est pas mal. C'est un piège. So, do you think it was a trap in Blackwater? Hey, I think I see something up the path. Magnifique, magnifique, magnifique. Et là devant, il va là. Micah. Gentlemen, found anything? I think so. Found a little homestead down that way. Okay. Anyone home? Sure. Place is blazing with light and noise. Sounded like a party. Let's go see. Follow me. How's Davy doing? Well, he didn't make it. Nor did little Jenny. That's too bad. Davy was a real fighter. Both of them calendar boys is. Or was. Yeah. And Mac, Sean? We don't know. Quite a business. I'm glad you're all right, Micah. Always. Ask him if he's seen John. Hey, have you seen John, Micah? Things always turn out right for that boy. I hope Mac and Sean are still out there somewhere too. Hey, Arthur, let me take the rear. You move up. Elle a rempli deux fois pour rapidement, ouais, pour passer. Ça va tellement vite que j'ai pas eu le temps de voir parler. Tu m'étonnes. Yeah, well, don't talk to me about crazy. Oh, so no, glad you're all right. I was worried, Micah. Look, it's all gonna work out, Morgan. We lost a few folks, but that's just how it goes sometimes. Well, I'm glad you're feeling so good about it. Where are all the others? Old mining camp, back up the hill. Ain't much, but shelter. So. This house. You... Okay. Let's keep it down now, gentlemen. It's just up ahead. Snuff and stash those lanterns, boys. Best you two. Allez, voilà. On this. Que va-t-il passer? Que va-t-il se passer, les amis? Okay. Let's head down there. On va les suivre, hein. Ouh, c'est pentu ici, hein. T'affichez en bas à gauche de l'écran votre santé, t'affichez en bas, ah, d'accord, ok, en bas à gauche de l'écran, ça c'est ma santé. On va les suivre. Hein. Approchez-vous des poteaux d'attachement. Triangle. Ok, il faut rester appuyé. Ok, triangle, hop. Voilà, là, il l'a attaché. Suivez Dutch. Ok. You two, get yourself out of sight. One lonely man is a lot less intimidating than three nasty looking degenerates. Arthur, in that cattle shed on the left. Micah, get down behind that wagon in front. Elle est à l'abri en appuyant sur R1. R1. Pour vous mettre à couvert. Bon. Je suppose que c'est ici. Ah, ça doit être là. R1 pour se mettre à l'abri, ok. D'accord. Hello? Shut up, Billy. Excuse me. Hello? Oh, well, hello, friend. What you want? I am very sorry to disturb you. My friends and I, well, we got into some trouble up the way, lost in the storm. Gentlemen. We can't help you, mister. I got folks. Arthur. Dying on the trail. Arthur, we got a problem.
Folks. There's a corpse right here. No, I just Arthur, need some. There's a body in the wagon. I hear you. Just keep your eyes on Dutch. I think you should... Over there! Ah, ok. L1 là. Je sélectionne mon fusil. Voilà. Improvisé. Oh, pas évident. Recharger. Où est-ce qu'il est l'autre? Boum! Mais il crève pas là! Voilà! Et carré pour passer au-dessus. L3 pour passer. L3. J'y vais, Dutch. Bon, j'ai un peu de mal avec les touches, j'avoue. Dans la maison, maintenez un à proximité d'un objet pour le ramasser. Ok. Whisky. Ah. Prendre. Oh, I'm starving. You should eat something now. Get your strength up for the ride back. On prend tout ce qu'il y a, les amis. Hein. Hop, on serre. Pour ouvrir votre sacoche. Il faut toujours rester appuyé. Il faut vraiment que je prenne l'habitude. Alors, de rester dans un mode. Celui d'énergie, ok. Celui-là restaure modérément vos noyaux de santé d'énergie. Restaure légèrement votre noyau de santé et modère celui d'énergie. Celui d'énergie, ok, d'accord. Hop, on va prendre celui-là. Comme ça, ma santé, pouf. On va en reprendre un coup, voilà. Bon, est-ce qu'on peut encore fouiller ici dans le coin? Là. Hop. Les sardines. Il n'y a rien de spécial. Hein. On va essayer de tout fouiller d'abord en bas. Mais qu'est-ce qu'il est bien fait, franchement? Prendre, voilà. Il n'y a plus rien d'autre là. Lui, il a l'air de fouiller là. Place is dry and warm. We could maybe move the women and voilà. Jack down here. Maybe. We'll see how they are. Il suffit de passer juste à côté et apparemment, ça vous l'indique quand même. Quand on peut fouiller ou fouiller meuble. Prendre. On sert tonique entamé. Tonique entamé. Tonique entamé. Y'a que ça là-dedans? Ouais. Là, y'a rien. Non. Peut-être aller voir à l'étage. J'ai vu qu'il y avait un escalier, enfin une échelle ici. On va aller voir, les amis. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose ici? Prendre, hein, voilà. Les balles de revolver. Plutôt pratique. Balle pour revolver. C'est tout. Là-bas par là. Y'a rien. On va redescendre. Hop là. Relève-toi. Pourquoi il s'est mis comme ça lui? Relève-toi l'ami. Pas se relever.
Bon, il faudra que je regarde avec les touches parce que là. Non. Ouais, j'en avais un qui se remette droit, lui, hein. Micah, Arthur, keep looking for stuff. Arthur, go see if there's anything in that barn. Micah, you search the cabin, see what we missed. Sure. Examine la grange, ok. On va aller voir ça. Alors à chaque fois, c'est signalé avec un petit point jaune là où on va se rendre. Appuyez sur flèche du bas pour voir l'objet en cours. L'objectif en cours. Boussole, si je fais boussole. Mais je sais pas, merde. Je vais lui faire un truc. Il fallait pas. Et je peux pas le remettre. On arrête les conneries. Parce que ça m'a changé un truc en bas dans la boussole. Mais quoi? Allez, on se rend à la grange, les amis. Est-ce que c'est sûr qu'il n'y a plus personne là dans l'entente des chevaux? Oh! Wow, j'ai été surpris, c'est quoi ce délire? Oh, rends. Oh! Allez, cogne-le! Allez, hop, boum, allez encore. Ah, je tape une ronde en fond les amis, hein. Boum. Ah, je vais lui mettre une branlée. Hein. Alors, questionner, frapper. On va le frapper un coup. Hein. With the others at an old mining camp southwest of here near the lake. Questionnaire. What are you bastards doing? Why are you up here? We're fixing to rob some train. Gonna blow the tracks. I don't know more than that, I swear. Well, I would say it looks like you have this, Arthur. Do what you want with him. I don't care. But bring that horse when you're done. Oh. I don't know if étrangler, you're... frapper. Please. Please. Épargner. Qu'est-ce qu'on fait, les amis? I promise. Allez, on va l'épargner. Get the hell out of here. Dégage vite fait. Allez, ouais, fous le camp. Fous le camp. Ramassez votre arme. Ah. Allez, où mon arme? Ah bah là-bas. Ah bah j'ai mon chapeau aussi. Voilà, prendre, là. Merde. D'accord, fait n'importe quoi. Alors moi j'ai du mal avec mes... Je suis pas vraiment un joueur de console, donc... Pas évident, les amis. Vous m'en excuserez. Bon. Ah bah elle là. Voilà. Des fois c'est L1, des fois c'est carré. Maintenez L2 sur le cheval. Allez, calme-toi mon gamin. Hop, on prend le cheval. Continue à améliorer les liens d'affection avec le cheval, améliore la confiance qu'il vous accordera. Ainsi que le cheval appartient, ainsi qu'indiqué par le sur le radar. Ok. Je vais l'attacher ici le cheval, hein?
Tu l'as jamais? Qu'est-ce qui se passe là-dedans? She's one of them O'Driscolls. No, she ain't, Michael. Look at her. Miss, miss. Yes. Are you... Oh, you fool! Michael! Miss, now, it is gonna be okay. We mean you no harm. Miss, miss. Come on. It'll be okay. We need to get out of here, and quick. Come on, now. Oh. Ouais, il est con lui, qu'est-ce qu'il a foutu? You okay, miss? They came 3 days ago. And my husband, they... Okay, miss, you are safe now. And you can't stay here. You come with us. Arthur! Miss, it's okay. We're bad men. We ain't them. It's okay. Get on. We'll keep you safe until you figure out what you want to do. What's your name, miss? Miss. Adler. Adler. Sadie Adler. Mrs. I... He was my husband. Ah, ils vont tuer son mari, voilà, ok. Très très beau jeu, franchement. Bon, excusez-moi, je laisse le dialogue pour l'instant, parce qu'il y a beaucoup de dialogue, il y a beaucoup d'histoires. Et je trouvais ça assez intéressant. Hey, somebody's coming. Looks like it's Dutch. Hey everybody, Dutch is back. How'd you get on? Micah found a homestead, but... We weren't the first. Colm O'Driscoll and his scum, they beat us to it. We found some of them there, but there is more about, apparently. Scouting the train. Thank you. That's the last thing we need right now, Dutch. Well, it is what it is. But we found some supplies, some blankets, a little bit of food, and this poor soul, Mrs. Adler, Miss Tilly, Miss Karen, would you warm her up? Give her a drink or something? And Mrs. Adler, it's gonna be okay. You're safe now. They turned her into a widow. Animals. I need some rest. I haven't slept in 3 days. You're over here. Miss O'Shea will show you the way. Mr. Morgan, we put you in a room over here. Thank you, Miss Grimshaw. Mr. Bell, you're with the fellas over there. What? How come Arthur gets a room and I get a bunk bed next to Bill Williamson and a bunch of darkies? Get yourself to bed. L'émergence d'un souvenir. Weather ain't let up. He's strong. And he's smart. Strong, at least. Hello, Arthur. Abigail. Arthur, how you doing? Just fine, Abigail. And you? I need you to... I'm sorry. I'm sorry to ask, but... It's little John. He's got himself caught into a scrape again. He ain't been seen in two days. Your John will be fine. I mean, he may be as dumb as rocks and as dull as rusted iron, but that ain't changing because he got caught in some snowstorm. Please go take a look. Javier? Yes. Javier, will you ride out with Arthur to take a look for John? You're the two best fit men we've got. Now? We're pretty worried about him. I know. If the situation were reversed, and he'd look for me. Thank you.
This way. Last I know, John was headed up the river. For all we know, he kept riding north and never looked back. He wouldn't leave. Not like that. Well, it wouldn't be the first time. C'est très bien fait en tout cas. Je suis impressionné, je dis pas grand chose dans ce premier épisode les amis. Je suis vraiment désolé, mais je suis impressionné par l'histoire, par... Je suis à fond dedans, je suis plongé. C'est plus qu'un jeu vidéo, on dirait que c'est un film et qu'on est dedans quoi, c'est... incroyable. C'est incroyable. Voilà, il y a beaucoup de cinématiques forcément. Mais sans ça, vous n'aurez pas compris non plus les autres épisodes, donc autant les laisser. Et qu'est-ce qu'on va faire, les amis? C'est que. Je vais faire ça. On va se quitter ici pour ce premier épisode parce qu'on est déjà à 31 minutes de vidéo pour pas que ça passe trop long. Et on se retrouve pour l'épisode numéro 2 sur la progression justement de ce mode histoire. Les amis, un grand merci. Si jamais les épisodes ici vous a plu, désolé, ça aurait été avec beaucoup de cinématiques et tout ça. J'espère que dans les autres épisodes, on aura plus de choses à faire et qu'il y aura beaucoup moins de cinématiques. D'ici là, les amis, portez-vous bien. Si jamais vous avez aimé, n'hésitez pas à lâcher vos plus gros pouces bleus. Et si jamais vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas, abonnez-vous à la chaîne. Ça ferait grave plaisir. En plus, ça soutient la chaîne. Et moi, ça me fait grave plaisir. Merci à tous ceux qui le font. Allez, ciao les amis. À plus tard.